La photo d'un œil est un souvenir original que les amoureux partagent ou que les amis gardent. Ces clichés relancent aussi les studios des photographes. Exemple à Bourg-en-Bresse avec Franck Grasso et Benjamin Métral. Mars, la Lune, Vénus. Nous sommes en fait sur Terre, invités à l'observation d'un œil. Est-ce que c'est bon la hauteur ? Ouais. Romain photographie les iris. Ouvre en très grand. Très grand, 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 vas-y. Parfait. Alors à la base, je suis quand même photographe de portrait. Et du coup, pour moi, le regard, c'est très important. Donc je place un peu dans toutes mes photos et surtout mes portraits en noir et blanc. Et j'ai voulu vraiment essayer d'aller plus loin dans ça et d'aller chercher vraiment le fond du regard des personnes. Et du coup, ce qui plaît, c'est vraiment de découvrir tous ces détails, ces couleurs, ces nuances. Donc voilà, on est sur un 20-30. Le résultat déboussole effectivement la clientèle. Moi, la première fois, j'étais là, mais c'est quoi, c'est une lune ? On ne sait pas trop, en fait. Des fois, on dirait un donut pour certains. C'est ça qui est sympa, ça laisse un petit peu le suspense pour les gens qui n'ont jamais vu, qui ne savent pas ce que c'est, en fait. On a fait ça pour la Saint-Valentin. C'est un projet de couple. Voilà, c'est ça. D'habitude, ses yeux, ils sont hyper bleu clair, mais alors là, ils sont blancs. Du coup, on voit aussi tous les petits détails, il a même des petites taches et tout ça, c'est vraiment super beau. Je te place une lumière sur le côté qui est totalement safe, c'est-à-dire que tu ne crains rien vu qu'elle flash sur le côté et pas au fond de ton œil. C'est tout. Ouvre en grand. Audrey partage la séance avec une copine, histoire de sceller une vieille amitié. L'iris, ça reste quand même quelque chose de très personnel. On ne peut pas faire beaucoup plus. On avait envie de partager ça ensemble, voilà, de réunir nos yeux et... quelque part, une partie de nous. Et après, faire celui d'Audrey. Hop. Là, en se rapprochant très près de l'œil et puis en le détourant sur fond noir, ça donne encore plus de percussion aux couleurs et on découvre son œil. Voilà les filles, le résultat final. Et votre petit tirage. Trop chouette. Eh bien, ça, c'est chouette, ouais. Merci. Ça me fait penser à deux planètes là, qui se percutent et qui partent en petits bouts, quoi. C'est notre amitié qui fait boum. Un cliché d'une centaine d'euros pour un souvenir clin d'œil.